Après les 8 mois d'inactivité, musique d'entrée des artistes. Et voilà, voilà Thibaut, on a fait l'instant les 200 derniers. Par 28 qui est au 17e kilomètre.
Merci beaucoup. Et bien, on retrouve sur la ligne, et bien, Rousseau. Comme dit ça, pour rien. Super. Guillaume vient d'arriver un instant pour le final, avec des bons temps qui nous permettent de découvrir ces classements. Et on va continuer à vivre et continuer la succession de toutes ces arrivées. Sur la ligne, on retrouve Thomas Végel. Alors, on rappelle le programme à suivre. Dans une heure déjà, on sera avec nos champions, nos championnes. Oui, la catégorie des Toussaint, SE jusqu'à Pupille. Bon, faire la rentrée en attendant. Il rentre sous la ligne d'arrivée, Stéphane Campbell-Dorichon. La première féminine. Laurent Campbell derrière cela. Laurent Campbell-Dorichon devant le top 10, 10e place pour Laurent, super. Alors, qui va se remonter? Mélanie Rasset, le star numéro 1. Il y avait la bagarre, Mylène Chagrin, peut-être à venir. On va découvrir, là, voici à 100 mètres d'Aline. Oui, c'est Mélanie Rappel dans quelques instants. Nombre de le numéro 1, Maria Ogeroya. Succès la Candice de Nidol, avec champion d'Europe, premier mix de cette année. Elle triomphe. Mélanie Rappel, vainqueur. Bravo Mélanie, à ses côtés du côté de garçon Charles Dornier va prendre Charles la 12e place du classement général avec une très belle position donc, pour Mélanie. Mélanie qui remporte l'épreuve en 1h 13 minutes et 29 secondes. Voilà pour le programme des 5 minutes avec vous qui nous suivent toute l'arrivée des féminines. Et puis là du côté des relais, hein. Ça va très vite, ça va fort. Avec Félicien, qui vont faire une grosse. Allez, Julien Chagrin, la deuxième place pour Mylène, la société de triathlon. À quel retour, Mylène Chagrin, deuxième aujourd'hui. Tiens, regarde, tu as le premier cadet là. Et puis on va trouver toujours des arrivées qui se succèdent et qui viennent avec une nouvelle. Une nouvelle qui va bien rentrer dans les trois positions. Là également, oui, le premier cadet en 1h09 et 3 secondes. Super, oui. On va trouver sur la première marche du podium. La 15e position, c'est dans quelques instants avec le Moussard. Avec le Thomas et également pour l'équipe du Fondarié. Vincenzo Battista, à du côté de Julien Moussard. On vient en terminer. L'arrivée de la belle fontaine à ses côtés, il s'agit de l'arrière. Alors, il y a également, eh bien, à ses côtés, Alexandre Hirschi et sur l'excellent temps, 1h09 et 20 secondes. Cubalé se trouve à la planée au 15e kilomètre. Voilà, on sait tout, encore 5 km de bonheur, encore on espère de passion pour nos cyclistes sur la ligne. Là, il y a encore des relais qui se succèdent et qui vont entrer dans le top 10 ce matin. Thomas, Max, c'est d'aller toujours pour un beau top 20. Oui, effectivement, un beau top 20 pour Gaëtan Pablo. Voilà, le temps pour Gaëtan, c'est l'heure du côté des garçons. Et puis, il y a une minute de 14. Monsieur Johan, il est là. Bravo, Johan. Et puis derrière, regardez les anses. On va retrouver encore des belles positions ici avec Marlène Petit-Girard. Ouais, regardez, une bonne couleur du côté de la jeunesse, des équipes là, avec les asthmatiques. Il y avait Félix, Justin et Thibault qui viennent d'en terminer. On enchaîne, on envoie avec. Son arrivée, Cédric Thomas, du côté des Rions, on a tourné là, le Bibi d'Angel, et puis à ses côtés, il s'est trouvé là. C'est moi qui signe. Allez, du côté
l'équipe Bélanger, c'est la cinquième position du Rolandix, mais c'est surtout la première équipe fille 100% féminin pour l'équipe. Bravo les filles, en déjà 16 minutes et 5 secondes. Bravo Coralie, Anne-Louis et Léonie qui vont monter sur la plus haute marche du podium. Là, on va se bagarrer pour aller chercher des places d'honneur, pour aller chercher des classements. Ça va être avec la position jaune. C'est également pour Kevin Gobert, l'homme du Léonard 4 ans. Guillemette Cotin sera parmi le top 10. Bravo Guillemette. À la sixième place, Thomas Lamy, super Thomas pour les couleurs de chenaux. C'est terminé également avec les équipes 368. Les vélos, c'est Thiago, Emmanuel, Elie. Terminé pour Laurence et moi pour ramener la course. Comme à sa habitude, un bon top 10, 7ème position pour Laurence. Allez, on accélère parce que derrière, regarde, ça va venir chatouiller cette petite place. On va pas faire de soucis. Regarde, ouh, photo finish peut-être. Hein. Wow, ah, il faut qu'on finisse là. Ils sont arrivés sur la même ligne, on va dire. Ah, on vous dit qu'il n'y a plus de couleur pour la photo. Bon, on va faire pas mal. On va regarder, on va trouver un système. Il y a toujours une solution avec Yagen. Allez, on a mis l'arrivée de Nathan et puis de Noé. Voilà, c'est Nathan qui est passé juste après Noé pour vous donner un peu le film de ce sprint de Volkswagen, bien entendu, il y a quelques instants, que ça va nous revenir. Il s'appelle Forêt de Lens. Il nous attend nombreux ce soir, triathlon, ça sera le premier week-end du côté de Chalon en septembre, premier week-end de septembre à Chalon. Venez nombreux, c'est une grande reprise. Julien vers la jeunesse qui brille en 1h13 minutes et 30 8 secondes. C'est à la puce. Vous avez des masques ici, du coup, chez vous. Allez, on va accompagner les relayeurs équipe sur la ligne. Excellent temps également pour toutes ces équipes. Bravo, belle composition de ces équipes de 317. Hein. Les pistons, tout le monde va parler avec Jean-Franc et Zachary sur le départ. Un petit sprint, non, on va s'en faire un voyage pour bien avec Zigorit d'Abattu. Qui vient d'en terminer avec son camarade de club à la télé. On va se compter juste au bout avec Julien Moustaki. Julien, trois bras, hein, il est en équipe, ouais, l'ami Antonin et Nicolas, Barbara, qui vont pas tarder à rentrer. On va voir du côté de Genève Triathlon son arrivée dans quelques instants de vidéo simplement, si tu peux le positionner pour l'arbitrage. Merci beaucoup à Estelle Delors. Les couleurs de Genève avec nous aujourd'hui, ça continue pour vivre. Les couleurs de Lure Triathlon avec Fanny Petrio, gros Fanny. C'était avec Maxime qui était là. Maxime, la 15 et 0,3 secondes, madame. Alors, la voiture Balais se trouve actuellement au retour sur Balpa, au 17e kilomètre. C'est Nicolas Bassène qui est le dernier concurrent. Eh bien, merci, tout va bien pour l'info. Les grosses meufs qui étaient sorties en tête de natation, les filles, eh bien, c'est quand même une belle prestation aujourd'hui comme Kimmich. Kylian, Gaëtan, Guillaume, on a terminé. Regarde ça, c'est son nom, c'est mademoiselle, Madonella, Zadie et Maud. Ce sont des plaisirs, hein, du côté de l'effort. C'est le numéro 2, là, sur les deux premiers. Bravo à l'esporette à Lola, Louise et Agathe qui ont terminé du côté des individuels en 16 minutes et quelques secondes. C'est Annie Cyril qui vient de franchir cette ligne. On va avoir l'occasion de retrouver bien d'autres de nos athlètes. Quentin a beaucoup d'arrivées déjà pour faire 56. Merci Quentin de l'ETLNS qui nous apporte toute la précision bleue pour vous accompagner avec le public dans la lecture de toutes ces arrivées. Marc Poitou, le star numéro 16, vient de terminer.
aller jusqu'au bout. Là, on va retrouver le 10e prochain Kevin Mercier, tout l'équipe de la Corée de avec la ville David de Chantelouse également, le jeu de la Corée de Côte. C'est rendez-vous, Cité Pasteur, dimanche prochain. Prochain rendez-vous est par 11h45, les poussins, les pupilles, les 8-11 ans. Le parcours de 75 mètres de natation, 2 km sur le parcours cycliste, 1000 mètres de course à pied. Eh bien, à la suite partiront les Benjamin et Minivin des 12-15 ans, 150 mètres de vélo, 7 km de 150 mètres de natation, pardon, 4 km de vélo et 2000 mètres de course à pied. Voilà donc le programme à minima. Allez, du Clermont, du côté de Clermont, c'est Charlotte Berthaud. Allez, Charlotte, elle nous a fait un bon parcours, natation, vélo, et elle va rentrer dans un bon top 10 également. Allez, les garçons, faites-vous plaisir, voilà, tranquillou, la course est faite. Bravo à vous deux, bravo à Bilène, bravo à ton camarade de course, Bruno, Bruno Panier, et puis là, on retrouve Martin Côté, juste à quelques longueurs à l'arrière, Bruno Marchal. Hélène Lombardi pour l'équipe de Vesoul, grand week-end, dernier week-end du mois d'août, du côté de Vesoul à Haute-Saône pour vous accueillir. Allez, côté contemporain, on le tout là, du début casier, et bien c'était passé par Vincent Morel. Céline Mira, du Dol. Triathlon à Corée de Bonne qui va rentrer dans le top 10, toujours du côté des filles, côté garçons. Allez, on va rentrer dans le top 40 avec l'arrivée de Julien Buzet, l'homme de Vesoul. Wow, il y a des petits sprints là, les filles, les garçons, les relais filles, les relais nice, et bien on va tout donner là. Ouh, on va tout donner, hein. C'était une grande première pour moi, mais du coup, là, j'ai un peu des crampes, mais ça va aller. C'est comme ça, on est fort parti, c'est pas simple. Pensez surtout à ceux qui n'avaient pas eu de soin, le temps de nager, mais ça s'est bien passé aujourd'hui, j'ai l'impression. Bravo encore aux équipes, bravo à Béatrice, Olivera Marquez. Waouh, Adrien fait sa danse habituellement. Il a voulu faire du triathlon aujourd'hui, il a eu raison. Adrien Pichet, l'homme du spectacle celui-là. Allez, on trouve les gazelles skieuses. Ouais, quand elles ne font pas du ski à roulette, elles prennent du triathlon maintenant, les troisièmes. Oui, c'est la grande préparation. On n'a jamais été aussi près de la saison hivernale. Monsieur Laurent Massin. On aurait bien voulu trouver l'équipe de Montbard, on en a quoi tant cette année. Maintenant, la pandémie en a fait qu'on n'a pas pu y aller. Mais on va y revenir l'année prochaine. L'arrivée de Corentin Kézerman. Allez, Pierre-Henri Public a profité des commerces, profité de cet environnement, développement durable. Tiens, on rappelle qu'on a mis des conteneurs qui vont bien être des affichettes informations pour le tri. C'est vous qui faites tout ce qu'il faut pour notre planète. Vous êtes merveilleux. Merci au nom de toute l'équipe de l'organisation. Et puis le temps déjà c'est 1h20, hein, plus 5 minutes pour les filles, 1h25. On souhaite son arrivée, on la salue bien fort. Elle s'appelle Agathe Marguier. Bravo Agathe. À ses côtés, on retrouve Thibaut Chevalier. Ah, le DSC, là, il a tout donné. Bravo à Charles-Antoine Petit, l'homme du Dijon de ses contrats. 1h21 et 0,4 secondes. Ça va?
Corinne, super Corinne. Bon, le temps avec Corinne, c'est super. Hein. Quand je regardais à 1h 26 minutes et 26 secondes, Corinne. Deuxième place dans la catégorie des V4 et tu prends la 19e place au niveau de classement général féminin. Voilà pour compléter toutes ces arrivées qui ne cessent de se succéder avec Alice Fabien Rugeau, la sociétaire de Besoul. Elisa Duflo. Ouais, bien, 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 super. Ça va, allez, relève-toi et marche, tout de suite, marche. C'est bien ça, voilà. C'est très bien, bravo. C'est vrai que la cité a plein les gens, mais ça va revenir. Il faut marcher tout de suite. Alors que les 323 terminent du côté des individuels, on s'appuie à côté de Tom Béranger. C'était également avec Alcide Vieille. On aura tout donné, mon cher Raphaël. C'est dur, hein, quand même. On est bien, il arrive à un âge comme nous, voilà, on aime bien se faire plaisir. Monsieur Mathieu, ça va toujours Mathieu? Ouais, les petits pouces au ciel, c'est tout va bien pour tout le monde. Vous êtes super, hein, vous avez bien géré votre coupe. C'est lui, votre belle boucle, bien en terminé pour l'équipe de Belfort. Oh, c'est avec. C'est un notamment belge, il y a un arme Belfort, mais plutôt belge. Hein. Et du côté de Belfort, on retrouve Marie Colli. Bravo Marie. 1h28. Et ça le public. Ah oui, on va arriver en copine, hein, pourquoi pas. C'est une équipe de Belfort. C'est peut-être l'équipe numéro 1, hein. Ah oui. Avec l'équipe Belfort numéro 1, Aurélie, Etiakia, Katia, Aurélie. Voilà, un bon classement du côté. Les féminines, on va vérifier tout ceci. Hein, 7e position du côté des relais féminins. Bravo les féminines avec moi. C'est sa copine de collectif. Voilà. Allez, jusqu'au bout du cercle, demandé, Hervé, Elisa, du côté de Besoul. Voilà, on commence à s'agiter dans les coulisses, je parle surtout des triathlètes poussins, poussines, les pupilles ouais, qui commencent à se mettre en jambes. Alors j'ai pas l'air de transition, mais tout ça qui est assez ouvert de transition pour les jeunes. Merci l'information. Je vais compléter dans l'information. On va trouver l'information et on va la communiquer de suite. Et c'est pour la Silva sur la ligne, 1h25 minutes. On rappelle que le travail est affiché pour les garçons, on rajoute 5 minutes pour ces demoiselles. On va pas oublier ça. Quentin Berthaud sur la ligne arrivée. Quentin Berthaud, bravo à Quentin Berthaud, c'est également avec David Dotro. Ça va David? Yes, tout va bien, un peu de côté des féminines. Elle est là, Oriane Bassard, l'équipe de Groupe Rockstar Club Triathlon. On retrouve les prochains, hein, comme on aime bien nous voir. C'est super. On fait la porte en haut du triathlon, descend du triathlon. Et là, je trouve qu'il y a un super site. Kevin, merci, c'est la ligne d'arrivée, c'est fait pour Kevin. Du côté des équipes, on va retrouver la plus Gaëtan. Ça va Gaëtan, il aura tout donné Gaëtan. Il aura pédalé, il aura couru. Il s'est donné vraiment au max. Bravo, bravo, Michel Pessin. Bien, encore quelqu'un,
Allez, du côté des filles. Pas de galanterie, pas de table de sort, pas de tout de suite. Allez, c'est pas le même cas. Allez, ça va vous bouger, bien terminé avec son mari ici, Justine Duplessis. Et à ses côtés, Marie Bougard pour nos enfants. Nicolas Bonin, ça va, Nico? Yes. Tout va bien. Félicitations pour votre organisation de la manche de Coupe du Monde des Parascathlètes. Là, c'était grandiose, vous avez eu des grands moments ce jour-là. Hein. Camille Pergo. Pour Belfort, Nathalie Brunet. Ça va, Nathalie? Ouais. Et puis à ses côtés, Fabrice Pionnet. C'est terminé pour le société de Lons, Loïc Dupinet. Salut, Étienne. Ça va? Bouge pas. Et mon Jean-Christophe Lavedou, le Jean-Christophe Logicier pour nous. Hein yes. J'ai la combine déjà en dessous. Voilà. Ben heureusement. Sans plus tarder. Allez, du côté du Pampalais, tous les triathlètes peuvent retirer maintenant le matériel dans l'air de transition réservé depuis ce matin à votre entrée, c'était à 8h30. Et du côté de la course à venir, on nous annonce que l'air de transition ouvre. Il y a un deuxième parc sur le côté, plus le côté parking. Donc les jeunes, vous allez pouvoir faire votre apparition. On va vous retrouver avec grand plaisir en quelques instants. Rappelez que le départ sera donné dans 40 minutes déjà. 40 minutes pour les grosses poussins et publiées. En attendant, on salue toutes ces arrivées sur le Pampa S. Et là, elle vient, elle va en terminer. Ça va être la grange. Et mon cher Étienne Cartin qui est là, un garçon aussi, c'est toujours un militaire, voilà, pour partir tout à tous nos militaires qui sont là, et tous ceux qui vont participer à l'issue de ce beau championnat national qu'on adore. Étienne, à tout à l'heure, Étienne. J'ai peut-être un coup de cheveux, Étienne, là, derrière. C'est nouveau, ça, là. C'est nouveau, oui. Hein, c'est un peu tribal, je trouve, c'est très chouette, ça. Allez, on y va. Elisa Marchal, c'est terminé. Bravo les filles, avec Camille Bouy. Non, c'est bon, Étienne. Ah, Étienne Capin qui fait la ligne du photographe à la Fédération des clubs de la défense. 6 fois champion du monde avec nous, là, du côté des parascathlètes. Et bien, il est là, on va saluer toute l'équipe des militaires qui nous retrouvent. Antoine Chopard pour le triathlon. C'est terminé avec Thomas Morel. Ça va être fait dans quelques instants pour le jour. Tout va bien, Pierre-Henri. Il est là. Ouais, pas mal. C'est bien dans Paris. Moi, je vais prendre tout à fait. Sacré équipe dans la famille Roux. Ah, super, bravo. Il y a Manu, il y a Manu, il y a Manu, il y a Manu, il y a Manu. Il y a la génération qui va pousser le terrain. Mais tout va bien. Bénédicte Chapelle vient d'en terminer de son école. En moins d'une heure trente, c'est pas mieux. Pierre Gilles, ça va toi, hein? Pierre Gilles. Ah, mais il y a des encouragements qui vont bien pour Florian là. Super Florian, t'as un copain là, celui-là, il est arrivé. Je t'adore celui-là. Je ne répéterai pas ce qu'il a dit. Allez, mon flow, les amis. 1h30 de course pour les garçons. Dernière pour les hommes, pour les filles. Et puis, on suivra également l'arrivée de notre tournée, notre championne paratriathlète. Allez, à vos côtés, on court et ne vit pas. Regarde, tape dans la main, on vient du front avec le lauriette. Et puis au-dessus de vos têtes, il y a un avion là, qui circule. Un Jaguar, je ne sais pas ce que c'est, mais non, c'est tout simplement un petit drone avec le pilote. Hein. C'est quoi qu'il y a notre pilote, on est en train de d'emmagasiner, d'immortaliser les belles images. Il n'y a pas de pluie, on va ça continue comme ça, ça c'est bon. Un temps idéal pour faire une maison, il n'y a pas de vent, température. Ce matin, quand on est arrivé, si vous êtes 7 heures, c'était à 15 degrés. Faut voir un petit coup à notre de route, là-haut. Regarde, un petit coup de l'eau, regarde, il est là. Voilà, c'est sympa. Allez, les enfants, on allez, en famille, on a décidé de franchir cette ligne d'arrivée. LMS, il y a Marie et Morgane Carolé. Super Marie, bravo. Et puis, on y va individuel.
c'est Sonia Marlon Thiébault sur cette amie du côté de Vesoul, Michel Roger, super Mimi, la vidéo de Michel. Allez Patricia! Patricia Bersonini. Au bat. Belle performance. Voilà. Les gens de la défense, c'est vraiment. Yes, tout va bien, 32. Bien vu. Sélectionné déjà pour les championnats de France qui vont se dérouler à Angers le 10 juillet. Pourquoi je parle d'Adam? Parce qu'il est une bonne. Voilà, tout simplement. Bravo encore à toute la petite famille qui va avoir l'émotion pour savoir s'ils allaient partir du côté d'Angers le 18 juillet. Voilà, ils prendront peut-être le camping-car ou le camping-car pour repartir 3-4 jours sur les championnats de France.